Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de Mario et les Lapins Crétins. Nous attaquons donc le chapitre 7 du troisième monde. Et c'est parti pour tout trésor à ses épines. Et c'est direct un combat, d'accord. Pas de répit. Vaincre tous les ennemis, ok. Il y a déjà 6 que j'ai vu, il y en a 7. Il est où le 7ème? Il y en a 3 là. Ah, il est là-bas. D'accord. Donc on a du Valkyrie. Des protecteurs qui sont assez énervants parce qu'ils ont un bouclier, donc faut passer derrière eux. Ça c'est de la Valkyrie. Bondibois flippant. Et Valkyrie. Ok, alors les Valkyries, elles font de la mitrailleuse. Des trucs dans le genre. Et celui-là, je me souviens pas. Hein. Bondibois. Ah, bah c'est ceux qui ont des ressorts sous les pieds. Mais version flippante. Ok, bon. Bon. J'ai pas regardé. Il n'y a pas de tuyau. Ah, il n'y a pas de tuyau pour pouvoir passer derrière. Derrière cela, ça va être un peu embêtant. De toute façon, on va déjà s'attaquer à eux en premier. Donc, si je me mets là, j'ai 50% de chance d'atteindre. De là, apparemment, zéro. Sont beaucoup trop loin. Ok, ça commence déjà. Allez, on va essayer par là, on verra bien. Allez, alors évidemment ça ne touche pas, évidemment. Si je viens là, ça marche pas. Bon. Alors si je me mets là, ils peuvent venir m'attaquer directement. Bon, laisse tomber, on va déjà se mettre là, s'avancer un petit peu. On va peut-être envoyer ça. Ouais, on va peut-être envoyer un comme ça. Hop, voilà. Alors, Peach. Je suis pas protégé, mais je pourrais atteindre. Mais je peux même pas atteindre. Let's play canard. Ah si, vu la zone, ça devrait pouvoir les atteindre. Si, si, allez, on vient se mettre là. Hop. Ah bah, visiblement, non. Bon, bah, fin du tour. Visiblement, ça commence avec des ennemis beaucoup trop éloignés. Ou alors, faut se mettre à découvert. Soit on se met à découvert pour pouvoir les atteindre. On fait comme ça et on peut pas. Eux, ils vont être énervants à faire. Ils ont 300 points de vie chacun quasiment. Oh là là, c'est vrai, j'ai oublié les Valkyries, elles protégeaient. Il faut un bouclier sur eux. Bien sûr, eux ça touche. Eux, ils touchent. Alors là, si eux, ils avaient pas des boucliers devant eux, je pourrais faire un énorme carnage, un truc de dingue.
Attends, il attaque à 105-115. Et elle a peut-être moins fort, donc ce serait peut-être mieux de le faire avec elle. Hop, voilà, ils sont tous regroupés. Du coup, avec Peach, je devrais pouvoir faire un bon petit carnage quand même. Si je me mets là. Avec ça, je devrais pouvoir toucher quasiment tout le monde. Oh, le bordel que j'ai mis. La vache. Allez, on va tester de faire ça. Toc. Alors, avec Mario, qu'est-ce que je peux faire? Eux, ils sont de côté. Si je me mets là, est-ce qu'il y a moyen de les avoir? Ah, mais je suis trop loin. Si je me mets là, et je peux les atteindre. Et de là? De là, je peux atteindre celui de gauche. Ou je pourrais tuer une Valkyrie. Au choix. Je pourrais peut-être finir la Valkyrie. Ce serait peut-être pas un luxe. Ouais, ça ferait un ennemi de moins déjà. Ce serait toujours ça de pris. Hop. Ouais. On va le faire aussi. Toc. Voilà. Hop, tour ennemi. Que 51? Ah, du coup, il aura fallu 3 coups. Ça va annihiler tous mes coups de... que j'aurais pu faire. Bon. Trop cool, les gars, trop cool. Ok. Donc, je suis à 100% découvert. Oh, 73 points quand même. 73 points. Bon. Alors, de là, qu'est-ce que je peux faire? Si je me mets là, je peux atteindre celui-là à 100%. J'hésite à attaquer les gros en premier ou à faire les plus petits avant. J'hésite. Quoi? Pourquoi seulement 47 à 57? Je comprendrai jamais le principe des machins de dégâts dans ce jeu. Si j'attaque sur celui-là, je peux en avoir plusieurs en même temps. Boom, critique, ils sont englués et l'autre il a été expulsé là-bas. Du coup je peux faire ça. Ah non, pour le soin, c'est le bouclier que je veux. Oui, non, mais pas se tromper. On ne se trompe pas. Bon. De là j'ai 0% de chance parce qu'il pourra se protéger avec son bouclier. Par contre je pourrais peut-être atteindre une des deux Valkyries. Qui en fait, celle-là prend les dégâts de tout le monde, si j'ai bien compris. Si je me mets là... Non, je suis trop loin, je ne peux pas.
Ouais, c'est le problème, c'est que je suis à 100% découvert sur tout le monde. Si je me mets ici, lui peut venir sur moi, puis il sera pas de problème, cela pareil. Et si je me mets là pour pouvoir attaquer, ça va pas le faire non plus. Surtout qu'il y a le risque d'avoir un deuxième combat derrière. On va se mettre là. Ça coûte rien d'attaquer, donc on va essayer quand même. Sait-on jamais? Allez. Hop, Mario. Et si je me mets là. Ah, ici, ça y est, j'ai compris pourquoi les dégâts sont machinés. C'est parce que il y a le partage de dégâts. D'accord. Oui, ça y est, j'ai capté. Faut le temps de ça monte au cerveau. Hein. Faut le temps. J'aurais pu les tâteler. Je suis un peu bête là. Effectivement. Effectivement, je suis un peu bête. J'aurais pu les tâteler, c'est vrai. J'ai absolument pas pensé à ça. Et là, je suis découvert. Forcément. Et puis ancré en plus. Ouais. D'accord. Les combats deviennent vachement encore plus tactiques qu'avant. Hein. C'est un truc de dingue. Si je fais ça. Je peux venir me mettre là et finir la Valkyrie. Ou finir celui-là. Oh, puis elle est vachement loin en plus. J'avais pas vu que ça m'avait poussé autant. Bon. Alors non seulement j'ai pas de protection si je vais plus loin, mais en plus. En mettant là, j'ai aucune chance de pouvoir les toucher. Et de là. Ah si, de là je peux. Oui, mais je suis ancré. C'est vrai. J'avais zappé. Bon. Bien, 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 bien. Si je me mets là, je peux toucher les deux là-bas. Voire même celui devant. Ouais. Dans tous les cas, j'en tue un. Ah, ok. L'incinération a fait ça. D'accord.
Ouais, ça c'était pas prévu par contre. Et ça c'était pas du tout prévu qu'il vienne se faufiler jusqu'ici. Mais non, ça c'est pas cool ça. En fait, je puisse les regrouper pour pouvoir faire du soin avec Lapin Peach, en fait. Lapin Peach, elle peut aller jusque là, et elle serait à 100% découverte. Là quand même. Parce qu'il faut quand même que je soigne Peach, quoi. Lui, il a encore plein de vie, l'autre là-bas aussi. Il reste plus de deux. C'est déjà ça. Je sais, ça sert à rien, mais bon, c'est gratuit. Autant profiter. Alors, en mettant là. Le soin peut l'atteindre. On est bien d'accord. Et je peux quand même faire des dégâts à l'autre là-bas. Ok. Donc on va se mettre là. On va envoyer ça. Boum. On va faire... comment? On va faire ça. Voilà. Du coup, Lapin Peach est 100% full life. Et Peach est bien remonté. Bon. Alors, de là, je peux faire quoi? Je peux me mettre là. Parce que si je me mets là. Ouais, le regard héroïque devrait pouvoir y aller. Donc on va se mettre là. Et on va faire ça. Évidemment, ça ne fait pas un coup critique, ça aurait été trop beau. Voilà. Allez, on va peut-être avancer un petit peu, si on est déjà... On prend beaucoup de temps, là. Boum. Et boum! Bon allez, prochain tour c'est fini. Il m'attaque Mario en plus, c'est génial. Parce qu'il aurait pu attaquer Lapin Peach. Et là c'était 100% touché. Même de là c'est pas 100%. Voilà. Ah ouais, j'ai vraiment pris le temps, quoi. Effectivement. Ouais, le problème, c'était les gros, quoi. Faut pouvoir les contourner. C'est pas évident. On croirait pas comme ça, mais c'est pas évident du tout. Puis j'accède à la suite comment? Ah, d'accord. Puis là-haut,
Je ne sais pas. Bon. Ok. Tout simplement. Il y a un coffre là-haut, 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 là-haut. Hop. Une piste musicale. Bon, bah c'est toujours ça de prix, hein. On va pas s'en plaindre. Comment je monte ? Voilà. Bon, il y a Peach qui est encore en galère, mais bon. C'est toujours mieux que rien. Alors, là, on voit déjà trois qui sont bien vénères. Et qui vont me donner du fil à retordre. Il y en a 7 à faire, ok. 3. Il n'y en a que 3 pour l'instant. 1, 2, 3, c'est ça, il n'y a pas d'autres curseurs pour l'instant, il n'y a que eux. Ok. Donc là, il y a un tuyau qui nous emmène là-bas, peut-être. On va voir. Alors, voyons voir. Oui, ça nous emmène là-bas. De là, je suis trop loin. Et de là, ça peut le faire. De là, ça peut le faire. Ah, mais pourquoi ça fait pas les coups critiques quand il faut? Du coup, maintenant, il va pouvoir m'atteindre. On va pas utiliser ça maintenant, parce que... Comme il y a les autres qui vont arriver, après... Si je fais ça, du coup, je peux me mettre là. On peut peut-être presque en éliminer un. A voir. Celui-là, on lui fait encore une bonne partie. Par contre, il va se rapprocher dangereusement. Ouais, très dangereusement même. Ah, bah c'est bon, il bouge pas. Regardez donc. Regardez donc. On va faire ça et on va tenter avec ça quand même. Trois tours. Ah, j'avais oublié que c'était si long. Allez, il peut pas bouger. Ah, puis c'est lui qui bouge en premier, forcément. Forcément, c'était pas prévu. Et du coup, il se retrouve à côté de moi. Fantastique. Boum. Mais, oh punaise. Ah, mais ils vont me tuer Peach en un tour, là. Ah ouais, non mais là ça le fait pas là.
D'accord, ils s'attaquent entre eux, puis ils se soignent, puis ils tuent l'autre. Ok. On a fait qu'un tour. Je suis désolé, mais non, je peux pas, là. Ils m'ont fait pitch en un seul coup, là. Faut arrêter les bêtises au bout d'un moment, quoi. Je veux bien être sympa, mais il y a des limites. Bon. On recommence. On recommence, on avait dit donc... Donc c'est ça. Je suis désolé. Hein. Mais là, je peux pas admettre le truc, là. Je ne peux pas admettre ça, franchement... Au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises. Je veux bien être sympa, mais il y a des limites. Ah, ça touche même pas les autres à côté. Hop. Allez, tour ennemi. J'ai joué plus vite cette fois. Il y en a un qui pousse là-bas. Faut attendre qu'il pousse hein, pour avoir les 7, forcément. On va faire ça. Oh mais non mais... C'est à chaque fois quand je veux pas que ça le fasse quoi, c'est énervant. Non, touche pas ma pitch, touche pas ma pitch, s'il te plaît, merci. Bon. Du coup, je peux en profiter pour faire ça. Et je vais en profiter pour faire ça. Hop, comme ça, tout le monde est au mats. Et si je me mets là-bas, il peut me shooter. Je vais me mettre... Ah, tu sais pas? Je vais faire ça en premier. Je vais faire ça en premier. Hop. Parce que comme ça, je sais que je peux faire ça et venir là. Voilà. Ensuite, elle. Elle peut finir lui. Elle peut faire ça. Et elle peut venir là. Comme ça, il est de dos et je peux l'attaquer. Voilà. Bon, j'ai bien fait de recommencer le combat quand même.
comme ça. Par contre, si ça arrive un par un... D'accord, merci. C'était pas parce que je disais que je critiquais la chose qu'il fallait changer le truc, hein, non plus, hein. C'est juste que je disais, voilà, ça prendra une plombe un par un, quoi. Mais ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Hop. Du coup, là, on repart tous de l'autre côté. Ah, je pensais que je pouvais venir mettre... Ah bah non, parce qu'il n'y a pas de terrain. D'accord. Donc non. Bon bah je me mets là alors. Je me mets là. Toc. Alors. Allez, ça a dégommé ma couverture. Tant pis. Ah mais les deux, d'accord. Ouais, c'était que celle de Peach, mais non. Alors. Toc. De là, je peux faire ça. Ah, ça va pas l'achever en plus. Il va rester 5 points de vie. Ok. Alors les deux qui arrivent, c'est pas les mêmes, alors je sais pas du tout quel type de lapin ça va être. Nous verrons bien. En attendant, lui... Hop! Il est fini. On va activer ça. Et je vais peut-être... activer celui-là aussi. Hop! Ah, je m'en doutais. Hop, comme ça il bouge plus. Nickel. Et il peut pas m'attaquer. Ah mais non, mais elle est folle, elle. Enduis-le aussi. Voilà, nickel, regarde. Tout le monde est à l'abri. C'est parfait. Ah, il y en a trois là-bas, la vache. On a dit qu'il fallait en faire... Il fallait en faire 7, hein, qu'il fallait pas en faire 50 non plus. On n'a pas dit d'en faire 50. Ah, du coup, lui, il s'est pas baissé, il a pris tous les dégâts de Peach. Ah, j'avais pas vu ça. Boum. Deux d'un coup. Non mais purée, mais arrêtez les mecs là. Mario, c'est pas possible. Bon, on va les attendre là, allez. Bah y'a rien à attaquer, tu vas attaquer quoi? Hop. Il n'y a pas le choix, hein. Il n'y avait plus personne à attaquer. Ouais, je regarde ce que ça fait comme effet, ça. Ah, il l'attaquera pas tout de suite. Il l'atteindra pas tout de suite. Ok. Limite, il faudrait que je me rapproche. Limite. Trop loin, forcément. Ah, punaise.
par contre on peut pas voir les attaques là ce que ça donne quoi. C'est mal foutu leur système quand même. Le jeu est top, mais il y a quand même certains éléments qui sont un peu mal faits. Il aurait été bon à revoir. Du coup, ça l'a éloigné. Ouais, mais pas assez. Enfin, si, assez pour ce coup-ci, mais pas assez pour autrement. Bon. Toc. Alors. Là, du coup, avec elle, je peux faire ça. Lui, il est englué. Lui, il est englué. Par contre, lui, il fait les attaques à distance. Ouais. Je voudrais protéger Peach. C'est ça, le truc. C'est que je voudrais la protéger de l'attaque de l'autre. Mais je crois que je ne vais pas pouvoir... Ah bah oui, je suis bête. Il fallait en faire 7. Il n'y a pas besoin de tous les éliminer. Pourquoi j'ai réfléchi autant? Bêta, bêta, bêta. Bon. Nickel. Alors, la suite, c'est là-bas. Oh. Un champ de citrouille. Je suis à la fois terrifié par l'œuvre et admiratif de la build est nécessaire pour sculpter cette citrouille en forme de champ. C'est vrai que c'est joli. C'est l'œuvre de Madame Boistrella. Elle en veut toujours au lapin crétin d'avoir brisé une de ses boules de cristal. Le chapitre 8 est là-bas. Là, il y a ça. Donc, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, allez, allez, allez. Six, sept, et la huitième, elle est là. Ça va, c'était pas compliqué cette fois pour les trouver. Des fois, elles sont mieux cachées. Allez, nouvelle arme. Le coffre doré, c'est toujours une nouvelle arme. Pour Peach, une arme secondaire, un nouveau canard. Un nouveau canard qui donne... Il donne quoi? Alors, ça augmente un petit peu les dégâts. Incinération. Ah ouais, sympa, sympa. Hop. Voilà, donc on se garde le chapitre 8 pour la prochaine fois. Sur ce, moi je vous dis ciao, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures, en espérant que l'histoire va se développer un petit peu, parce que là c'est vrai que... Bah on n'avance pas trop, je trouve. On n'en apprend pas vraiment plus, on fait plus des combats, ça doit être un petit peu embêtant pour vous par moment. Quoi, me voir perdre, faire des bêtises, ça doit être rigolo. De se moquer de moi, je veux dire. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien dénouer un petit peu l'intrigue, là, parce qu'on est un petit peu sous notre fin, je trouve. Bref, sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye.